Són les 12 i 5 i si us sembla, comencem, donem la benvinguda a Tunísia i donem la benvinguda en aquesta setmana de la internacionalització a la Universitat de Girona. Bé, com sabeu, la setmana de la internacionalització i l'estratègia del país convidat formen part de la proposta que ha fet la Universitat de Girona de la internacionalització a casa amb l'objectiu de buscar referents internacionals i portar-los a la universitat per tal que els estudiants, el PDI i el PAS, puguin conèixer doncs, la realitat geogràfica, la realitat paisatgística, cultural, fins i tot gastronòmica o turística d'una sèrie de països. També, com sabeu, inicialment vam dedicar la setmana del país convidat a Mèxic, el segon any a Brasil, el tercer any als països bàltics i enguany el país convidat en el nostre país convidat és Tunísia. Jo, a banda d'agrair-vos la vostra presència en aquesta inauguració de la Setmana de la Internacionalització, us vull convidar especialment a que hi participeu activament. Veureu un programa dens d'activitats que ens aproparan doncs, a l'arquitectura, a l'arqueologia, al turisme, als conflictes socials i la política d'aquest país nord-africà amb el que tenim lligams molt estrets, no només històrics, sinó també culturals, i géographiques. Je voudrais tout d'abord remercier l'ambassadrice de la Tunisie, Madame Fatma Rani, pour sa présence. C'est un honneur que vous participez à cette présentation. Et merci beaucoup aussi pour tous les soutiens de l'ambassade et pour votre récente visite à notre université. Merci beaucoup. Et en même temps, merci beaucoup aussi au professeur Larbi Chouika pour sa présence et pour sa participation dans ce semaine de l'internationalisation. Et sans plus préambules, j'ai la parole pour inaugurer cette semaine de l'internationalisation au recteur de la Université de Girona, Quim Salvi. Merci. Benvinguts a la Universitat de Girona i benvinguts a la Setmana de la Internacionalització. Bienvenidos. Welcome to the International Week of the University of Girona. When this initiative of the International Week and the guest country was launched in 2018, the strategy of the University of Girona to open itself up to the world, to know and to promote different cultures was already a very present reality in the university itself. A process we call UDG Global, strengthened by hundreds of agreements and the participation in international networks with important presence in Latin America, Europe, and Asia, and with a remarkable involvement, I must say, of the countries of Northern Africa. Mexico, Brazil, and the Baltic countries have been the guests for the past 3 years, and now we open the door to Tunisia. La Tunisie. Un pays, la Tunisie, avec qui nous sommes unis par des liens qui sont non seulement présents en collaboration avec la Université de Sfax, Monastère ou Sousse, ou avec la Université Polytechnique de Sfax, mais avec la Tunisie, nous partageons également tradition et aussi culture. We are talking about the same civilization, forged, for example, in one of the founding texts of the Western culture, such as the Aeneida. Carthage, the ancient Carthage in front of the Romans, the place where Aeneas arrived and where the queen Dido started an intense love story. També fou lloc de viatge i de reflexions de destacades figures de la literatura catalana, com en Ramon Llull i l'Anselm Turmeda. Two countries, Catalonia and Tunisia, which, as I said, at times form the same civilization and which, throughout history, have shared common projects and, of course, some divergences, as has happened with the vast majority of Mediterranean countries. Two countries that share the same way of seeing the world. A Mediterranean culture that unites us, a gastronomy that drinks from the same sources.
That's why it makes all the sense to dedicate this week to Tunisia, because this serves to value the modern collaborations that we have with the aforementioned university centers, with students who have made mobility, or with Tunisians who have made stays at the University of Girona, with projects in many areas, such as tourism, engineering, and education, just to name a few examples. The Invited Countries Initiative serves to grow these bonds of union and to emerge from new ones, based on science, based on academia, but also on gastronomy and culture. One of the Tunisia's most renowned poets, Abouy Kassim Aïchabi, a symbol against intolerance and one of the most influential persons in claiming Tunisia's freedom during the early years of the 20th century, has a nice poem entitled The Will to Live, La Volonté de Vivre. Il dit, si jamais les gens veulent vivre, alors le destin doit obéir, l'obscurité doit être dissipée. It means, if people ever want to live, then fate must obey, darkness must be dispelled. This is the spirit of UDG's international policy, and to know more, to live better and more intensely, and in a shared and supportive way. I would therefore like to thank the remarkable and friendly collaboration of the ambassadrices de la Tunisie and all the centers involved in this wonderful country, as well as to thank the UDG International Office for the organization of this event and the other university services as well for collaborating. Despite the distance imposed by the COVID pandemic and so many economic and political problems that divide us, we have, as a university, the desire and the duty to overcome barriers and face adversity. Com va dir el poeta tunisià, aquesta setmana de la internacionalització és una mostra més del nostre anhel com a universitat d'obrir-nos al món, de conèixer millor per respectar-nos més i de lluitar contra les tenebres per construir un món més just, més lliure, més agradable on viure. Moltes gràcies, muchas gracias, merci beaucoup, thank you very much for your attention, and I wish to a very pleasant and successful International Week in the University of Girona. Thank you. Moltes gràcies, senyor rector. Thank you very much. Je voudrais maintenant demander quelques mots de bienvenue à l'ambassadeur de la Tunisie, Madame Fatma Rani. Je réitère notre appréciation pour votre participation. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation à participer à l'ouverture de la semaine tunisienne à l'Université de Gironde. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai entendu parler de votre projet, que nous avons été en contact, que nos équipes ont travaillé pour arriver à ce résultat. Donc pour moi, c'est un énorme plaisir de participer à l'inauguration de cette semaine dédiée à la Tunisie. Alors je vais faire un peu comme vous, je ne parlerai pas catalan, je ne le connais pas encore, un petit peu d'espagnol, un petit peu de français, comme cela nous comprendrons parfaitement. Donc me gustaría agradecerle a todos los que han contribuido al establecimiento de un programa rico y variado de esta semana dedicada a Túnez en la Universidad de Girona, que por supuesto se ocupará de Túnez con sus múltiples facetas, pero que también nos mostrará la relación muy estrecha que tiene la Universidad de Girona con universidad y centros de cerca de centros científicos en Túnez y que hace parte de la estrategia de España y de Túnez y de la embajada en particular de tener una relación científica entre nuestros países que sea más larga y más amplia y
Quiero también decirle que Túnez y España tienen un proyecto muy importante en este sector, que es un proyecto de hermanamiento europeo. El Ministerio de Universidades y de Recerca Científica Española tiene un proyecto con el Ministerio homólogo en Túnez para mejorar y reformar el sistema de innovación y de recerca científica en Túnez. Y después, este proyecto se queda muy bien en este ecosistema de trabajo conjunto en el sector científico y que fue también al centro del interés de los ministros de Asuntos Exteriores tunecino y español la semana pasada aquí en Madrid y fue parte del debate y de las ideas de colaboración futura entre nuestros países. Como lo habían dicho, la historia de las relaciones entre nuestros países es densa y cubre al menos los últimos 3 milenios. Y me gusta recordar que San Félix, a quien está dedicada una basílica en Girona, nació cerca de Cartago y que se dirigió a Girona, donde terminó su vida al comienzo mismo del cristianismo. Después, esta relación es muy, 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 muy cercana, muy, muy, muy densa. Hoy España es un socio estratégico de Túnez, con el que mantenemos relaciones en todos los ámbitos y que ha apoyado a Túnez siempre cuando lo hemos necesitado, y especialmente recientemente durante la revolución. Nuestras relaciones son políticas, de seguro, de geográficas, seguramente, pero tenemos relaciones muy fuertes a nivel económico también y intercambios, como decía, universitarios muy, muy, muy buenos, pero tenemos que ser más ambiciosos. Queremos fortalecer estas relaciones. Y es el mandato que tenemos aquí en esta embajada. Y de seguro la Universidad de Girona será un partner muy importante en este papel que tenemos. Y de ahí el motivo de la visita reciente que realicé en la provincia de Girona, durante la cual fui recibida muy calurosamente por la Cámara de Comercio y por la universidad, donde tenía el placer de tener un encuentro de trabajo con el rector, el profesor Joaquín Salvi, y con el vicerrector y el departamento de internacional con el profesor Doner. Y estamos nosotros a su disposición para acrecer más esta relación. Tenemos también en Cataluña y en España una comunidad muy importante. La comunidad tunecina en Barcelona es la más importante en España. He visto que también en los proyectos de la universidad hay también proyectos que están dedicados a la comunidad tunecina en Cataluña, su integración. Me ha gustado mucho ver el proyecto, los videos que vamos a compartir también y muestran cómo nuestros países, nuestras comunidades y nuestros ciudadanos pueden integrarse para lo mejor. Hubiera querido una participación más diversificada y presencial. Espero que cuando volveremos a una cierta forma de normalidad, visitar otra vez la universidad y compartir con vosotros gastronomía, artes y cultura de mi país y más lo que podremos pensar. Una vez más, mis mejores deseos para la Semana Tunecina en la universidad y os veré en algunos minutos después de la presentación por el profesor Albi Shuija de la historia del pasado y presente de Túnez. Hablaremos de género. Merci, Shukran. Je vais maintenant vous présenter le premier orateur, le professeur Larbi Shuija, professeur d'enseignement supérieur à l'Institut de presse et des sciences de l'information de Tunis. Et il a participé activement au processus de démocratisation tunisien et a écrit de nombreux ouvrages sur la Tunisie contemporaine. Et sa présentation est consacrée à l'histoire et au présent du pays. Professeur Shuija, merci, Shukram,
Et s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci. D'abord, je voudrais vous dire que toutes mes excuses de ne pouvoir parler qu'en français. J'aurais souhaité intervenir en catalan. Et vous dire aussi tout le plaisir et ma joie de me retrouver parmi vous. C'est même un honneur. Et surtout d'avoir choisi la Tunisie, pays hôte de votre session. Je vais relever un défi, c'est-à-dire essayer en 20 minutes pour brosser un tableau de l'évolution politique de la Tunisie depuis les années d'indépendance jusqu'à nos jours, ce qui ne sera pas évident. Donc, je souhaiterais, évidemment, j'attendrai beaucoup vos questions afin de pouvoir apporter davantage de développement, si toutefois vous le souhaitez. Alors, je commencerai par dire que durant plus de la moitié d'un siècle, la Tunisie n'a connu que des pouvoirs autoritaires, mais des pouvoirs autoritaires qui étaient exercés par des profils de président, on va les voir d'ailleurs, hostiles et à la manière de gouverner très différents. Mais ce qui va se produire, c'est qu'à partir du 14 janvier 2011, un nouveau processus politique sera inauguré, mais dont personne ne peut évidemment en connaître l'issue. Alors d'abord, examinant ce que je vous avais d'ailleurs envoyé un résumé, la Tunisie de Bourguiba, ou ce que j'appellerais la modernisation autoritaire, qui va commencer des années de l'indépendance jusqu'à 1987. Bourguiba, quoi qu'on en dise, c'est un despote éclairé. Ce n'est pas un dictateur, ce n'est pas un démocrate, c'est un despote éclairé, ce que je vais essayer de l'expliquer au fur et à mesure. Et il a essayé d'asseoir un pouvoir absolu depuis les années d'indépendance en restreignant au maximum l'exercice des libertés. C'est-à-dire qu'il apparaît dès les années 57, avec l'adoption de la Constitution le 1er juin 1959, comme le chef incontesté de la nation tunisienne. Et évidemment, le texte constitutionnel qui a été promulgué le 1er juin 1959 va consacrer l'instauration d'un régime présidentialiste. Et ce régime présidentialiste va accorder au chef de l'État le monopole de la vie politique officielle. Alors, il y a des articles qui font croire à un usage des libertés. Alors, je cite l'article 8, par exemple, qui dispose que les libertés fondamentales, comme celles relatives à la liberté de la presse, d'association, sont garanties. Mais, toutefois, avec une mention que ces libertés sont exercées dans les conditions définies par la loi. Or, quand on voit la loi, elle est très restrictive dans l'application de ces libertés. Et d'ailleurs, en vertu de cet article, plusieurs opposants politiques à Bourguiba seront condamnés à des peines de prison et parfois des peines lourdes qui vont jusqu'à 10 ans de prison. En 1963, tous les partis politiques ont été interdits, excepté évidemment celui de Bourguiba. Et à partir de ce moment-là, nous allons voir, et c'est pourquoi j'insiste sur le thème despote éclairé, une volonté de la part de Bourguiba d'asseoir des réformes totalement autoritaires. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, des années 60, les réformes vont se succéder à un rythme effréné. Et là, j'appellerai une sorte de sécularisation autoritaire. Alors, qu'est-ce que j'entends par sécularisation autoritaire? C'est-à-dire qu'il va essayer d'introduire des réformes dans la société qui vont propulser la Tunisie dans un mode de gouvernance que je qualifierais de moderne, mais avec un contenu suivant. C'est-à-dire qu'il va commencer, dans l'urgence d'ailleurs, dès le août 56, à élaborer un nouveau code de la famille. Et ce nouveau code de la famille, son objectif, c'est de saper les fondements de la famille patriarcale. Alors, et c'est une révolution dans le monde arabo-musulman, interdiction de la polygamie, institution du divorce judiciaire, abolition de la répudiation unilatérale, instauration d'un âge minimum au mariage, mais toutefois, une réforme, je dirais, à la marge du droit successoral. Le droit successoral qui reste cependant discriminatoire, puisque jusqu'à nos jours, le fils hérite d'une part et la fille d'une demi-part. Donc, au même moment, parallèlement à ces réformes du code de l'état du personnel, la scolarisation va connaître un essor considérable à partir des années 60. On va assister également à une institution de la propriété foncière. Cependant, ce que je voulais dire, c'est que ce projet de sécularisation tel qu'il a été pensé et appliqué par Bourguiba ne fait pas pour autant de la Tunisie un État laïque, et jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi?
parce que l'éligibilité de la présidence de la République est conditionnée par l'appartenance à la religion musulmane, et d'autre part, l'article 1 de la Constitution de 1959, qui a été d'ailleurs conservé dans la Constitution, et j'en parlerai de janvier 2014, il est dit que la Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, et sa religion est l'islam. Or, cet article ne permet pas de savoir si l'islam est la religion de l'État ou elle est celle de toute la Tunisie. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la République bourguibienne a affirmé aussitôt sa vocation à vouloir étatiser le religieux. Mais nous allons voir qu'à partir des années, la fin des années 70, début des années 80, le pays sera frappé par de graves crises politiques et sociales. Des crises sociales, avec ce que le pays va connaître en janvier 1978, et par la suite, pour la première fois du pays, des attaques qui ont été perpétrées à partir du voisin libyen, à savoir connu sous le coup de Gafsa, un commando d'une soixantaine de personnes qui s'emparent dans la nuit du 26 au 27 janvier 1989 de la ville minière de Gafsa. Et cette action, d'ailleurs, sera vivement condamnée par les formations politiques de l'opposition. Alors, à partir de l'année 81, Bourguiba va se trouver face à un dilemme. Il voit que la demande démocratique est devenue très pesante. Mais au fond de lui-même, il n'en a jamais, si vous voulez, prêté l'oreille. Il considérait que les réformes ne peuvent être imposées que par la force. Or, à partir de 81, suite aux différents événements qui ont frappé la Tunisie, d'abord, comme je l'ai dit, les événements syndicaux de 1978, l'intervention du commando en 1980, mais également une autre menace qui va menacer l'édifice bourguiba, à savoir la montée en puissance de l'islamisme politique. Donc, toutes ces raisons vont conduire Bourguiba à accepter, j'insiste du bout des lèvres, un pluralisme politique dont il entend lui-même contrôler les tenants et aboutissants. Et il va annoncer donc, en novembre 81, des élections législatives anticipées, et d'autre part, il va inviter toutes les formations d'opposition à participer à ces élections sous la forme de listes indépendantes. Mais des irrégularités et des fraudes manifestes, flagrantes, ont entaché ces élections législatives et qui sont d'ailleurs reconnues et admises par plusieurs ministres de Bourguiba qui les ont explicitées dans leurs ouvrages en témoignage. Mais en réalité, et là c'est la pensée, je dirais, profonde de Bourguiba, c'est que Bourguiba n'a jamais voulu se reconnaître dans la volonté politique. Ou du moins, pour lui, la volonté politique, il en est le seul et unique détenteur. Et c'est la raison d'ailleurs qui avait motivé sa décision en 1975, au moment de la réforme constitutionnelle, d'introduire une disposition qui lui reconnaît une présidence à vie. Donc, dans son esprit, il lui seul qui décide de faire accéder les formations reconnues au champ politique selon sa propre appréciation des enjeux du moment. Mais cette situation va entraîner des affrontements entre le régime bourguibien, qui commence d'ailleurs à battre de l'aile, avec la sénilité même du président Bourguiba, et surtout les islamistes. Or, à partir de février 1987, l'agitation islamiste commence à se déployer à l'université d'abord et ensuite sur tout le territoire. Et c'est désormais un duel, je dirais à mort, qui va se dérouler entre le chef de l'État et le mouvement islamiste. Or, et c'est ça les conditions qui vont précipiter la chute de Bourguiba, c'est qu'en 1987, Bourguiba avait 84 ans et il va tomber dans une sorte de sénilité. Or, à partir de là, il va y avoir des intrigues au sein du palais présidentiel pour la lutte pour sa succession, mais aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est en contradiction totale avec toute la philosophie de Bourguiba, c'est qu'il va répudier sa femme et toutes ces conditions vont contribuer à pourrir l'atmosphère politique. Donc, le pouvoir suprême semble à la portée de main de celui qui va le prendre. Et qui va le prendre, ce sera évidemment le premier ministre de Bourguiba, le général Ben Ali, qui dans la nuit du 6 au 7 novembre, va renverser le père de la nation tunisienne. Soit dit en passant que le général Ben Ali doit toute son ascension politique
à la volonté de Bourguiba. Alors, à partir de ce moment-là, le 7 novembre 1987, Zine Abidine Ben Ali lit un message radiophonique qui est connu sous le nom de déclaration du 7 novembre, et en se référant à l'article 57 de la Constitution, qui prévoit l'intérim en cas de vacance du pouvoir présidentiel, et s'appuyant également sur un certificat médical signé par cet médecin, le Premier ministre de Ben Ali annonce ouvertement la décision du président Habib Bourguiba. Or, pour ma part, le 7 novembre, c'est-à-dire l'arrivée de Ben Ali au pouvoir, ne constitue pas un renversement du régime bourguibien, mais plutôt une continuation du régime qui a été institué à l'indépendance, mais sans Habib Bourguiba. Et ce que va faire Ben Ali, alors dans un premier moment, une fois accédé au pouvoir, il va décréter des mesures libérales qui vont susciter l'enthousiasme, voire l'adhésion de la quasi-totalité de la population, à savoir les détenus politiques sont progressivement libérés, y compris des détenus islamistes. Les opposants en exil, y compris des islamistes, sont autorisés à rentrer au pays. Libéralisation de la presse, libéralisation de la vie politique, une révision constitutionnelle abolit la présidence à vie. Mais cependant, le président Ben Ali semble vouloir envoyer un message libéral, mais la parenthèse de l'ouverture politique qui va suivre sa prise de pension va se refermer rapidement. Et bien pourquoi? Encore une fois, parce qu'on va voir cette menace islamiste qui va apparaître aussitôt. Et là, l'hypothèque islamiste va participer à partir des années 90 à bipolariser, à polariser la scène politique, et nous allons voir de plus en plus. Alors, dans un premier temps, comme je vous l'avais dit, le régime de Ben Ali va se comporter en défenseur de l'islam et de ses valeurs. Alors, Ben Ali se présente à la fois comme le garant de la religion, mais aussi de la modernité telle qu'elle a été pensée et appliquée par Bourguiba. Donc, il procède à une revivification des symboles de l'islam et le but, comme il le dit d'ailleurs au premier congrès de son parti, le RCD, qui est le nouveau nom donné à l'ex-parti de Bourguiba, il incombe à l'État et à lui seul de veiller au rayonnement de l'islam. Et en avril 89, il organise des élections anticipées et ces élections révèlent que le mouvement islamiste constitue avec le parti de Ben Ali, la seconde force politique imposante dans le pays. Donc, nous allons constater, et ce sera les résultats de ces élections, une bipolarisation entre islamistes et RCD qui va avoir un double impact sur la scène politique tunisienne. D'abord, elle va faire apparaître Ennahda, c'est le nom du parti islamiste, comme la seule alternative crédible au parti de Ben Ali, le RCD, et par là même, elle va inciter, voire même pousser, l'opposition séculariste, composée des éléments modernistes, à se placer sous l'aile protectrice du président Ben Ali, qui est devenu pour eux le dernier rempart contre la menace islamiste. Et par conséquent, la bipolarisation de la scène politique va achever de convaincre Ben Ali d'utiliser la crainte que suscite Ennahda auprès de cette opposition séculariste pour museler les islamistes, les condamner, les mettre en prison, beaucoup seront condamnés à l'exil, et en même temps raffermir l'autoritarisme du régime. Mais à partir des années 2000, nous allons voir que la montée des dissidences et de la contestation sociale dans la société tunisienne vont, je dirais, mettre à nu le pouvoir de Ben Ali et conduire le pays vers la révolution telle que nous la connaîtrons en 2011. Donc, l'émergence des nouveaux pôles de dissidence, c'est-à-dire qu'à partir des années 2000, on va voir de nouveaux pôles de dissidence contre Ben Ali apparaître en dehors du courant islamiste. Et ces militants, essentiellement de la gauche et de l'extrême gauche, souvent des militants en même temps dans la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme, vont créer des organisations non reconnues par le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas passer par des circuits institutionnels. Et ces organisations non reconnues vont s'appuyer sur différents acteurs de la scène publique internationale pour ébranler le discours de légitimation de l'État tunisien et le discours de Ben Ali en matière des droits de l'homme.
Et en même temps, ces nouvelles associations, ils vont essayer de développer des nouveaux modes d'action complètement inédits dans le champ politique et l'espace public tunisien afin de contourner la censure, mais également le harcèlement dont sont victimes leurs militants. Comment ça? Ben, ils vont profiter des nouvelles technologies de communication pour créer des sites Internet dissidents. Et à partir de là, on va voir apparaître la cyberdissidence. La cyberdissidence qui va connaître ses heures de gloire dans les années 2000 et 2011 et 2005 avec l'apparition de nouvelles figures. Mais dans le même temps, on va utiliser les chaînes satellitaires pour occuper un espace médiatique en dehors du territoire national pour s'adresser directement à la population tunisienne. Et troisième aspect, qui sera largement médiatisé au plan international, ce sont les différentes grèves de la faim. Évidemment, la plus connue, ce sera celle d'un journaliste en public, mais également de 8 personnalités tunisiennes de l'opposition, qui sera déclenchée le 18 octobre 2005 et qui, pour la première fois, réunira toutes les sensibilités de l'opposition séculariste à des représentants du mouvement islamiste. Mais à partir de 2008, on va voir pour la première fois des actions collectives contre le régime de Ben Ali qui vont prendre une ampleur inégalée avec des mouvements de protestation. D'abord du bassin minier de Gafsa et 2 ans plus tard dans la région frontalière de Ben Gerdel à la frontière libyenne. Et ces manifestations populaires vont révéler des disparités économiques régionales et la marginalisation des populations de l'intérieur du pays. Et à partir de ce moment-là, évidemment, le régime de Ben Ali va se trouver totalement désarmé face à cette contestation sociale qui va s'emparer de tous les pays. Et on va arriver à cette nuit du 13 au 14 janvier 2011. Ben Ali sera obligé de quitter le territoire. Alors, je ne saurais pas vous dire quelles sont les véritables raisons, parce que jusque-là, personnellement, je ne suis pas très convaincu. Il semble qu'il y ait une discorde entre l'armée et certains services de sécurité qui, semble-t-il, auraient entraîné ce départ précipité de Ben Ali. Et là, on va se trouver directement propulsé dans une Tunisie totalement nouvelle, totalement inédite, qui va vivre une révolution pour la première fois d'ailleurs suscitée par le bas, en l'absence de tout leadership et de tout mouvement révolutionnaire. Donc, après 55 ans d'autoritarisme, la Tunisie va entrer, je dirais directement, dans une nouvelle phase historique. Et cette phase historique va comprendre, du moins, se manifester à travers 2 antagonismes. Un antagonisme très important qui sera engendré par cette révolution. D'une part, on va voir les partisans de la continuité de l'État qui souhaitent s'appuyer sur les institutions et une partie du personnel politique de Ben Ali, et ceux qui appellent à une rupture radicale, à commencer par le changement du Premier ministre, qui était celui de Ben Ali, et l'élaboration d'une nouvelle constitution. Alors, la première tendance que j'appelle « comment faire du vieux avec du neuf », Ben Ali parti, la constitution de 59 qui régissait l'organisation des pouvoirs publics reste toujours de mise, et l'ancien Premier ministre de Ben Ali, Mohamed Ghannouchi, est reconduit par le président intérimaire et il va constituer un gouvernement, qu'on appelle un gouvernement d'union nationale, qui comprend entre autres plusieurs figures de l'ancien régime. Et à l'annonce de ce nouveau gouvernement, évidemment, il va y avoir une mobilisation totale composée par des syndicalistes, des militants d'extrême gauche, des avocats et des chercheurs contre cette, comment ils appellent, cette tentative de vouloir s'approprier ce processus révolutionnaire. Et là, nous allons assister à ce que j'ai appelé, en reprenant ce slogan très connu, le peuple veut la chute du régime. Donc, face à cette pression exercée par les manifestants, le Premier ministre sera acculé de démissionner, un nouveau Premier ministre sera désigné, à savoir Béji Raïd Sepsi, et dans la foulée, pour calmer la colère populaire, ce nouveau ministre remanie son gouvernement et se sépare le 28 janvier de tous les ministres de l'ancien parti de Ben Ali.
Mais cette mesure n'enraye en rien le développement de la protestation populaire en Tunisie. Alors, dans un premier temps, et dans la foulée de cette révolution tunisienne, que je mettrai entre plusieurs guillemets, on va assister à des premières mesures libérales. Libéralisation des prisonniers politiques et d'opinion, amnistie générale, et tout ça va participer à ouvrir le champ politique, à savoir avec l'émergence de nouveaux partis reconnus, qui va couvrir un large spectre politique allant des libéraux, du nationalisme arabe, des nouveaux destouriens, des socialistes, des communistes, des islamistes, etc. Quant au champ médiatique, il est également entré au même moment dans une phase de libéralisation avec la prolifération des chaînes de télévision, mais également de stations de radio, en plus des titres de presse, la censure est abolie et une liberté de temps jamais vue dans l'histoire de la Tunisie s'y déploie encore jusqu'à aujourd'hui allègrement. Néanmoins, la question de la sécurité et la recrudescence des revendications sociales sera évidemment un élément d'inquiétude qui risque de désorganiser l'économie tunisienne. Donc, nous allons vivre une première élection le 23 octobre 2011 pour une assemblée constituante et là, sans surprise, on va assister au triomphe des islamistes qui, sans surprise, ils sortent vainqueurs de ce scrutin avec un taux de 37% des voix, ce qui correspond à 40% des sièges et aucun parti n'aura cependant la majorité absolue. Et là, c'est un gouvernement national de coalition qui va se profiler. Et encore une fois, on va revivre cette bipolarisation qui a toujours été pendant dans toute l'histoire de la Tunisie, islamiste d'un côté et séculariste de l'autre. Et à partir de là, on sera obligé de recourir à ce qu'on appelle le compromis constitutionnel pour élaborer une nouvelle constitution. Et cette constitution, d'ailleurs, qui sera émaillée par différents incidents, que ce soit à l'intérieur du Parlement, mais également à l'extérieur du pays, par des assassinats de leaders politiques, etc., finit par voir le jour, finalement, le 26 janvier 2014. Elle sera adoptée par 200 voix sur 217 membres. Et néanmoins, elle est beaucoup plus, pour ma part, le fruit d'un compromis que d'un consensus. À titre d'exemple, nous allons voir plusieurs dispositions, d'ailleurs, qui prêtent à équivoque. On peut les interpréter dans un sens ou dans un autre. Par exemple, l'article 6 de la Constitution étant de concilier à la fois exercice individuel et intervention de l'État dans les affaires de la religion. Par exemple, pour les sécularistes, ils ont fait admettre le principe, ce qui est une révolution dans le monde musulman, de la liberté de conscience, c'est-à-dire le choix d'un individu de vouloir même changer de religion. Ils ont obtenu sa protection au rang d'obligation étatique, au même titre d'ailleurs que la liberté de croyance et le libre exercice de l'État. Et Nahda a obtenu que l'État devienne le gardien de la religion et se charge, je cite, de protéger les sacrés. Reste à savoir, et c'est notre crainte pour nous les démocrates, qu'est-ce qu'on entend par sacré? Et dans quelle mesure interdire d'y porter atteinte peut avoir des conséquences sur la liberté d'expression? Donc, que peut-on dire aujourd'hui? Que peut-on dire aujourd'hui? Je vais essayer de résumer en quelques mots, il me reste encore quelques minutes, je pense. C'est que l'histoire de la Tunisie indépendante illustre à la fois, je dirais, la résilience d'un régime politique autoritaire, on le vit encore aujourd'hui, mais en même temps, ses faiblesses. C'est-à-dire cet État que je qualifierais d'utélaire, qui a été issu de l'indépendance, n'a pas été capable d'apporter une réponse aux mutations socio-démographiques, mais également aux aspirations des nouvelles générations qui ont été massivement scolarisées, ainsi qu'aux inégalités régionales qui ont miné sa base. Donc, ce qui fait que les crises sociales et politiques qu'a connues le pays, ils ont contribué à souligner toutes les limites des dispositifs autoritaires benaliens et bourguibiens de mobilisation des allégeances. Et si bien que depuis le départ du président Ben Ali, l'État aujourd'hui
apparaît de plus en plus affaibli, à savoir des problèmes de gouvernance politique, des difficultés de créer une sorte de cohésion entre les pouvoirs de l'exécutif et du législatif, la dégradation de la situation sociale et politique, en plus des problèmes d'insécurité, voire même de terrorisme. D'autre part, on voit que des institutions qui ont été créées dans le sillage de 2011 pour mener à bien le processus de transition, telles que l'instance nationale de lutte contre la corruption, l'instance vérité et dignité, l'instance de régulation de l'audiovisuel, etc., éprouvent de grandes difficultés à réguler ce processus de changement politique. Enfin, les représentants de l'ancien régime ne veulent pas encore avoir à rendre des comptes devant la justice transitionnelle. Et en plus, et c'est ça le risque patent qui pèse aujourd'hui en Tunisie, c'est que vous avez pas mal de lobbies politiques et affairistes qui investissent les médias et qui se déploient d'ailleurs en toute impunité. Et dans le même temps, et tout c'est ça toute la contradiction, c'est que nous assistons à l'émergence d'une société civile dont certaines composantes jouent le rôle d'acteur, ce que j'appelle une démocratie de surveillance. Plutôt, j'emprunte ça d'un terme d'un français, Pierre Rosanvallon. Et c'est des ONG jouent un rôle remarquable en surveillant le rôle du Parlement, en surveillant le pouvoir public, la gestion des municipalités, etc. Donc, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que la liberté d'expression et d'opinion constitue l'un des principaux acquis de cette Tunisie. Mais le régime politique actuel n'est pas encore stabilisé. Et il ressort plutôt, moi je qualifierais plutôt, d'un régime d'hybride. D'hybride, ça veut dire qu'il n'est ni démocratique, ni autoritaire. Donc ce qui fait qu'en l'état actuel de la trajectoire politique tunisienne, divers scénarios sont envisageables. Alors parmi ces scénarios, évidemment, le risque, c'est que cette situation d'institutionnalisation d'un régime hybride sous une forme probablement inédite, va perdurer, ou bien on peut assister, et c'est ça mon vœu le plus cher, à l'émergence d'une démocratie, mais également le risque d'une restauration autoritaire reste également pesante. Donc vous avez tous ces scénarios plausibles qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus dont personne ne peut appréhender son issue. Et merci pour votre attention. Merci pour votre attention. Vous avez... Oui, merci. Allô? Merci. Oui, oui. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Le son était clair? Absolument. Merci. Sans problème. Merci, merci. Merci à vous tous. Merci. Évidemment, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions ou même des remarques, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci, monsieur le professeur. Donc, pendant la session, vous pouvez poser des questions à tout moment dans la section « Questions et réponses » dans la barre inférieure, et dont le professeur Shuha répondra aux questions à la fin des interventions. D'accord? Et vous avez también que podeu proposar preguntes al professeur Shuha i ell respondrà a aquestes preguntes al final de les dues intervencions, que també podeu fer-les durant la presentació ara de la senyora Fatma Omrani. Donc, nous passons maintenant à l'exposé de l'ambassadrice, Madame Fatma Omrani, sur la perspective de genre en Tunisie. S'il vous plaît, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur. Professeur Larbi Chouira, c'était un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup d'avoir tracé ce parcours historique dans lequel notre pays s'est engouffré depuis son indépendance. Et pour lequel, bien évidemment, nous espérons tout le succès, même si nous savons que les écueils sont nombreux. Donc, merci pour cela. Et en fait, ma propre discussion se base sur cette trame de fond, parce qu'on ne peut pas parler de questions genre en Tunisie si on n'a pas en tête tous ces éléments historiques dont vous venez de nous parler. Je vais donc partager mon écran avec une petite présentation que nous avons élaborée ici à l'ambassade. Et voilà. Vous me voyez là? Oui, absolument. Merci.
Alors, como decía la profesora Birch-Suija, quería agradecerle la presentación y el debate que estaba haciendo sobre la historia de Túnez, la historia contemporánea de Túnez después de la independencia. Mi presentación está sí misma en esta profundidad histórica de la historia de Túnez, pero voy más allá en la historia porque j'ai choisi justement cette première image, comme l'avait dit tout à l'heure le doyen Salvi et le vice-doyen Donner, la Tunisie, bien sûr, quand on parle de genre, on pense tout de suite à Alissa, à la création de Carthage, et à la potencia militar y económica de Cartago en aquellos tiempos que fue creada por una mujer que huía de un tirano, de una dictadura en su propio país. Esto, como lo veis, es desde el alto de la colina de Birsa, donde se desarrolló toda la perspectiva de Cartago, con los portos púnicos, el puerto militar, aquello redondo, y el puerto comercial, el puerto comercial, porque, como sabéis todos, Cartago fue una potencia militar y económica en la antigüedad. Pero como figuras femeninas de la historia de Túnez hay muchas, y somos muy orgullosas y orgullosos en Túnez de tener estas figuras femeninas que, para mi propia opinión, tendremos que conocer mejor en Túnez en las comunicaciones, en los vídeos, en medios de comunicación. No los conocen muy bien también en Túnez. La primera de la cual voy a hablar es el Kehna, que se puso en el siglo VII y VIII frente a la conquista árabe que venía del Golfo, la conquista islámica. También Fatma el Fehriya, de origen de Túnez, que fue al origen de la creación de la segunda universidad más antigua universidad en el mundo, después de la Universidad de Zeytuna de Túnez, también la Universidad El Fehriya en Fez, en Marruecos. Y tenemos así muchas de estas figuras femeninas en Túnez, y hasta también los primeros tiempos del protectorado del siglo XIX en Túnez. Como sabéis, en Túnez el siglo XIX es el siglo del modernismo y del reformismo, que empezó con la primera constitución en 1860, con la abolición del esclavaje, también en el mismo siglo, y después el protectorado francés en Túnez, que de cierta manera fue también una apertura para las mujeres. El primer hecho fue la educación. Empezó la primera escuela para las niñas, que fue una escuela para las niñas de los colonos, no fueron las niñas tunecinas, en 1885, y la primera escuela de niñas musulmanas al inicio del siglo XX. Una de las primeras mujeres de las cuales fui muy orgulloso es Tawhida Ben Sheikh, que fue la primera mujer a tener un título de escuela secundaria y la primera mujer doctora en Túnez. Y aquí, en esta fotografía, la vemos con sus colegas hombres, una única mujer en unos 30, 40 colegas hombres doctores en Túnez. Y la historia continúa con la discusión, el debate nacional, la lucha nacional por la independencia. En aquellos años, 1930, que fue también
en los años en el cual se desarrolló la poesía, el discurso de Aburkasem Shebi sobre la libertad y la independencia, un autor tunisino, Tahar Haddad, un penseur tunisien, escribió un libro muy importante para nosotros, Nuestras mujeres en la ley islámica y la sociedad, que ha abierto la puerta a un debate nacional sobre los roles, el papel de la mujer en la sociedad, y que, como decía el profesor Larbi Shuija, culminó con la promulgación en el 13 de agosto de 1956 del Código de Estatus Personal, el Código de la Familia Tunisina, como una de las primeras decisiones del gobierno de Bourguiba, que a aquel momento era el primer ministro de Túnez. Con este Código de la Familia, como decía el profesor, poner Túnez en el camino para la secularización y la promoción de la condición de la mujer, con una idea de lo que tendría que ser la sociedad y la familia, que eran más diferentes de lo que había antes, como decía, abolición de la poligamia, repudiación, y otras decisiones que ponían a la mujer más como un partner no secundario, un partner de primer importancia en la sociedad. Desde aquel momento, muchas de las decisiones han permitido a la mujer de desarrollar su papel, ofrendole desde el 1956 la posibilidad, el obligo para las familias de educar a sus hijas, el derecho para votar y ser elegidos con la primera constitución, el derecho de ser propietario de su cuerpo con el derecho del aborto y después la planificación familiar, el derecho de trabajar con el código laboral. Uno de los derechos llegados al heritage, profesor Larbi Shuija, que es el único en el mundo islámico, que es el derecho de herencia para la niña que no tiene hermanos. Como lo sabéis, en el código islámico, una chica que no tiene hermanos va a compartir la herencia de sus padres con otros miembros hombres, varones de la familia. En Túnez, desde el 1932, eso no se hace. No tiene que compartir la herencia de sus padres cuando no tiene un hermano, cuando no tienen un hijo masculino en la familia. Y también Túnez entra en una fase más internacional de derecho de la mujer, porque fuimos uno de los primeros países árabes a adherir a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en los años 80, pero con algunas reservas legadas al hecho que la mujer no puede dar la nacionalidad a sus hijos cuando tienen un padre extranjero o no pueden casarse con un no musulmano. Pero, como vamos a ver, todo esto se va a cambiar. Como decía el profesor Shuija, en los años hasta 2011, la segunda fase de la dictadura en Túnez, hemos también hecho algunas reformas importantes, menores, pero importantes, como compartir la autoridad parental, como el mantenimiento de los menores, la creación de un fondo para la pensión alimenticia, enmendamientos al Código de Nacionalidad para dar la nacionalidad, como había dicho, levantar una de las reservas a la Convención Internacional para dar la nacionalidad a los hijos que no son de un padre tunecino o musulmano, más
derechos en el código de trabajo y penalización de aquel tiempo algunas formas de violencia, como la violencia doméstica, como el acoso sexual, como la violencia ligada al matrimonio cuando era en edad menores. Desde el 2007, por ejemplo, está prohibido a las niñas casarse antes de los 18 años sin permiso de un juez, sin permiso de un tribunal en Túnez. Como vemos, es un camino bastante largo, bastante amplio, bastante rico, pero como para la Constitución, también la cuestión de género fue un momento de preguntas al inicio de la revolución en Túnez. No olvidamos que teníamos que decidir sobre una nueva constitución. Y cuando hablamos de constitución, hablamos también de un modelo de sociedad. Y en aquel momento había muchos discursos más conservadores, más de libertad, más de secularización. Pero lo que podemos también ver es que las mujeres han tenido un papel muy importante en la revolución, que sea un papel de poner en marcha el proceso de legislativo, que estar en la calle, que sean jóvenes o más mayores, y también en el diálogo nacional, que fue el momento, uno de los momentos, pero para mí el momento más importante para salvaguardar la democracia en Túnez y a llegar a lo que estamos ahora mismo, el proceso de democratización en el país. La nueva constitución, como decía el profesor, la Arbischwija, 200 sí para este nuevo texto que es el fundamento de la ley en Túnez. En este texto voy a hablar de algunos de los artículos. Empezamos con el preámbulo y con la escritura inclusiva que habla de hombres y mujeres, ya en el preámbulo, para decir que la sociedad, el pueblo tunecino no es visto como un pueblo en sí mismo, pero que está hecho de diferentes categorías. Y en estos vemos las categorías de las cuales estamos hablando, de género. Hombres y mujeres son puestos como partes integrantes al mismo nivel en la Constitución. Vemos también la Constitución ha decidido que los legisladores, los escritores de la Constitución, han decidido mantener los beneficios logrados, les acquis du peuple tunisien, los movimientos reformistas, les mouvements réformistes illuminés, de seguro les acquis de la civilisation humaine, les valeurs universelles, son al centro de la construcción del modelo de sociedad de Túnez. Aquí estamos. Los cimientos de la sociedad. Ahora mismo Túnez en la carta, porque estamos en un proceso de poner la carta en actos. En la carta somos un estado civil que respeta los derechos humanos y que ve la igualdad de derechos y deberes entre todos los ciudadanos, hombres y mujeres, que, como decía antes el profesor Zuija, que está puesto sobre el pluralismo, que está democrático y que respeta las libertades. Esto es el nuevo modelo en el cual se va a desarrollar la nueva política de género del país. Por cuanto riguarda las cuestiones de género, hay cuatro artículos importantes. El artículo 21, que pone en acto la igualdad en derechos y deberes y ante la ley, y
pone una línea roja que es la discriminación. El artículo 40 que habla de los derechos económicos. Para, como vemos en el inicio del artículo, el trabajo es un derecho para todos los ciudadanos, hombres y mujeres. Y hay esta escritura inclusiva que nos ayuda a modificar la ley para más igualdad en el país. También los derechos políticos. Hemos visto que ya desde 1959 la mujer tunecina tenía derecho de votar y de ser elegida. Esto viene a confirmar estos derechos y también viene a confirmar su posibilidad de llegar hasta el cargo de presidente de la República. Y al final, este artículo, que es el artículo 46, que es un artículo que abre la vía, un camino hacia el futuro, con compromisos del Estado para proteger los derechos, para garantizar la igualdad, para alcanzar la paridad y para erradicar la violencia. Vemos que en estos artículos, en este artículo, hay un camino, una reflexión sobre un modelo de sociedad que ve en la mujer una miembro importante de primer nivel en la sociedad. Pero, como hemos dicho, hay desafíos. Esto es la carta. Estos son los principios, son los valores sobre los cuales la sociedad se va a desarrollar. Tenemos desafíos como poner lo que está escrito en actos. Y los desafíos son importantes como aplicar ya las leyes existentes. Sabemos en Túnez que poner en actos las leyes existentes que ont un rapport avec la l'égalité de genre est parfois difficile à mettre en œuvre. Il faut bien sûr travailler davantage sur les questions de sensibilisation aux droits et aux obligations des hommes et des femmes. Nous avons également une culture et des traditions qui parfois sont difficiles à mettre de côté ou à faire évoluer. Et aujourd'hui, il y a un grand travail sur l'interprétation de la Constitution pour entreprendre un travail de réforme. Bien sûr, vous le savez très bien, professeur Schwira, le président Béjir Kaïtsep, c'est paix à son âme, a créé la Commission para las Libertades Individuales e Igualdad, llamada COLIB, en 2017, que ha preparado un informe muy largo, 235 páginas, sobre las reformas necesarias para poner las leyes en conformidad con la Constitución y con las normas internacionales en los derechos humanos, y cubren un horizonte de derechos y de libertades lo más amplio posible. Y por eso ahora mismo vamos a ver dónde hay que modificar las leyes, pero la cultura y sensibilidad. Uno de los desafíos más importantes para las mujeres en Túnez son los roles sociales. Un estudio de la UN Women ha mostrado que las mujeres trabajan 40% más que los hombres en la mayor parte del tiempo un trabajo no remunerado, que tienen menos tiempo, por ejemplo, para buscar un trabajo y que tienen dificultades en conciliar actividades familiares y profesionales. Tenemos también un desafío, que es el desafío del empoderamiento político. Después del 2011, cuando vemos los nombramientos políticos de las mujeres en Túnez, vemos los últimos años, hay un número menor
de mujeres que están nombrados miembro del gobierno en Túnez, 8 de 41 en el gobierno del 2015, en el 2020 que hemos tenido 3 gobiernos, 6 de 33, 8 de 28 y 4 de 19. Ahí tenemos un trabajo muy importante que hacer. En las elecciones también, las últimas elecciones, hemos regresado al 22% en las elecciones legislativas, pero cuando hemos conseguido la igualdad horizontal y vertical en el código electoral para las elecciones locales, hay un error, para las elecciones locales desde 2008, la mitad de las personas elegidas fueron mujeres. Después, en Túnez no hay este discurso tras poner cuota o menos. Pensamos que cuota no es lo que necesita la mujer en Túnez. Lo que necesita la mujer en Túnez es la igualdad horizontal y vertical en las elecciones, que es en un cuota no mínimo, no máximo de 50%, que es su presencia en la sociedad y que podrá garantizar su representación política en el país. Otro desafío, estoy yendo artículo por artículo de la Constitución, si habéis visto. Este artículo que regarda el empoderamiento político económico de la mujer en Túnez. Cuando hablamos de empoderamiento económico en Túnez, hablamos de educación. Y en la educación vemos que las mujeres están bien representadas. Casi todas las niñas van a escuelas primarias, un 72-63% son alumnas en las escuelas secundarias, más de la mitad de los universitarios son mujeres, pero cuando volvemos al empoderamiento económico, el desempleo de las mujeres es más importante que lo de los hombres, 22% por 13%, y cuando vemos a los diplomas universitarios, casi la mitad de las mujeres que tienen un diploma universitario no consiguen encontrar un trabajo. Y eso es un papel que el gobierno tiene que ver. Pero vemos, son 29% ingenieros, son 30% abogados, más de la mitad de los farmacéuticos que tienen las oficinas farmacéuticas son mujeres, casi la mitad son médicos, tienen un papel importante, pero cuando es de encontrar un empleo es más difícil para nosotras. El último punto en el trabajo nacional de Túnez es el trabajo contra la violencia contra las mujeres. Un estudio de Unión Europea con el Ministerio de la Familia, de la Mujer y Señores en Túnez ha demostrado que casi la mitad de las mujeres dicen haber sufrido algún tipo de violencia. Más de la mitad piensan que es un comportamiento ordinario y la mayoría no va a denunciar estos casos de violencia en la policía. Por eso, Túnez ha adoptado en agosto del 2017 una ley orgánica, ley integral, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, creando ahora mismo un Observatorio Nacional de Lucha contra la Violencia, unidades de las fuerzas de seguridad y especializadas en delitos cometidos contra las mujeres y niñas. Me parece que tenemos unos 50 unidades ahora creadas. Y algo que para mí es importante es la modificación del artículo 227 del Código Penal sobre la violencia contra las menores, el obligo de casarse, que ahora no existe en Túnez. Y de eso soy muy orgullosa para nuestras niñas en Túnez. El trabajo nacional tiene también una contraparte a nivel internacional.
¿Os recordáis que en el 1985 hemos adherido a la Convención Internacional? Hemos levantado ahora todas las reservas en la Convención sobre la forma, la discriminación contra la mujer desde el 2011. Y estamos en proceso de adherir al Convenio de Estambul y hemos empezado a implementar las recomendaciones de la resolución 1325, Mujeres y Paz, con un plan de acción nacional que hemos adoptado hace unos 3 años, que se basa en importantes pilares como lo de prevención, de protección, de participación, de ayuda, de consolidación de la paz, reconstrucción, información y defensa, todos aquellos desafíos de los cuales hemos hablado ahora mismo antes de este, antes de esta, página. Pero también Túnez se compromete a nivel internacional en diferentes redes para desarrollar el papel de las mujeres y en la condición femenina en el mundo, como la red internacional International Gender Champions, el foro Generación Egalité, donde Túnez copreside la coalición sobre tecnologías y innovación. España me parece que está en desarrollo económico. Y también la presentación, el conseguimiento de la aprobación de la resolución del Consejo de Seguridad 2532, que es la respuesta del Consejo a la pandemia. En el punto 7 de la resolución se reconoce el papel fundamental de las mujeres en la respuesta a la COVID, cómo se reconoce el impacto de la COVID sobre las mujeres y on demande aux pays, aux différents pays membres des Nations Unies de garantir la protection, mais également la participation des femmes dans la réponse à la pandémie. Je pense que je vais m'arrêter ici. Nous sommes différentes, mais nous sommes unies. Nous avons tous un même objectif. Donc là, vous avez un panorama un peu des femmes tunisiennes. Elles sont voilées, elles sont jeunes, elles sont laïques. C'est ce que nous sommes. Voilà. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Merci beaucoup pour votre présentation. Et ensuite, on va commencer les questions que les différents intervenants ont fait pendant la session. J'ai une question, et par exemple pour Madame Orani, c'est un spectateur qui a écrit le suivant. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame l'ambassadeur. J'étais très intéressée pour le rôle des femmes dans les processus démocratiques. J'ai l'impression que les femmes tunisiennes et maghrébines en Europe ont un comportement plus fermé qu'en Tunisie. Comment pouvons-nous résoudre ces situations? Que estava en un altre Zoom. Oui. Je peux répondre? Oui, s'il vous plaît. Ah, voilà. Non, il y avait une voix, donc je pensais que c'était quelqu'un qui intervenait. Bon, bien sûr, les femmes en Tunisie ont dans leur propre pays des instruments et la possibilité de pouvoir lutter pour leurs droits. Lorsqu'on parle des femmes tunisienne ou musulmane éventuellement dans des pays comme les pays européens, on ne doit pas le regarder comme étant uniquement une question liée à la femme. Là, on parle de politique migratoire, on parle de politique d'intégration, on parle de politique d'assimilation, et c'est dans ce contexte-là qu'il faut voir comment est-ce que les femmes sont vues et peuvent jouer un rôle dans les sociétés dans lesquelles elles résident, ou très souvent dans lesquelles aussi elles sont nées, puisqu'aujourd'hui, par exemple en Espagne ou en France ou dans d'autres pays où nous sommes présents en tant que Tunisiens, nous sommes déjà en deuxième, troisième ou quatrième génération, et donc on ne peut plus réellement parler de femmes qui auraient été en Tunisie, qui seraient venues, donc elles sont éduquées selon les lois du pays où elles sont. Donc c'est réellement lié à une politique migratoire, à une politique d'intégration nationale dans les différents pays. La Tunisie, par exemple, a beaucoup travaillé au début de la vague migratoire tunisienne, puisque vous savez que la migration tunisienne n'est pas la migration des 3 dernières années où on les voit partir sur des bateaux pour arriver en Europe. Il y a eu une très forte migration liée à la prospérité de l'Europe
à partir de la Tunisie et d'autres pays, bien évidemment, nous ne sommes pas les seuls. Et nous avons créé des institutions qui dépendaient justement du ministère des Affaires sociales, qui dépendent des ambassades, les offices des Tunisiens à l'étranger, les assistants sociaux, pour permettre justement une bonne intégration de la communauté tunisienne dans les pays où ils arrivaient, parce qu'à l'origine, c'était une immigration circulaire. Ils n'étaient pas supposés partir pour revenir. Ils n'étaient pas donc supposés partir pour revenir, donc apporter leur appui et revenir avec le résultat d'un travail. Aujourd'hui, ils sont installés, ces personnes-là, hommes et femmes, sont installés dans les pays d'accueil. Ils forment des familles, il y a eu des regroupements familiaux. Mais nous considérons que le lien avec le pays d'origine doit quand même rester important, parce que si on perd une partie de son identité, on ne se retrouve plus. C'est peut-être cela qui s'est passé. Et donc, quand on perd une partie de son identité, peut-être que l'on récupère autre chose. Merci beaucoup. Merci le professeur. Un spectateur a demandé quel rôle la Tunisie peut-elle jouer dans le contexte de la démocratisation en Afrique du Nord et dans les pays arabes. Pionnier en matière de démocratisation dans la région. La question qui se pose d'abord, c'est en Tunisie. Et je parle en tant que citoyen tunisien. Et j'imagine que Mme l'ambassadrice partage également. Il faudrait qu'il y ait une stabilité politique. Il faudrait stabiliser les institutions. Et pour moi, la démocratie, c'est d'abord une question de normes et d'institutions. On ne peut pas dire, ça y est, nous avons la liberté d'expression, chacun peut dire ce qu'il veut, ça, c'est un fait. Mais il faut institutionnaliser. Et ce qui a manqué, et là, je rejoins totalement Mme l'ambassadrice, c'est un travail de pédagogie. Il ne s'agit pas d'édicter des lois et dire que nous avons des lois qui sont conformes aux standards démocratiques. Ces lois, il faut savoir les interpréter et les appliquer par la suite. Or, la société n'est pas encore au diapason de ces normes qui ont été adoptées au lendemain du 14 janvier 2011. Il faut qu'il y ait un travail, ce que les anthropologues appellent d'encodage et d'homologation. Comment faire en sorte à ce que ces lois soient intériorisées dans les mentalités des Tunisiens, comment soit accepté. Quand on parle des droits de la femme, il ne faut pas qu'il y ait une vision sélective. C'est des droits globaux qu'il faut les accepter tels quels. Dans notre esprit, il n'y a plus de différence entre hommes et femmes. Comment faire en sorte à ce qu'il y ait une culture, une pédagogie dans l'enseignement, dans les médias, dans les programmes culturels, de manière à ce que tous les Tunisiens, pas seulement qui habitent les villes, mais également dans les régions les plus éloignées, comprennent et intériorisent ces normes. Or, tout le travail déjà devrait commencer par se faire en Tunisie, stabiliser et éduquer les Tunisiens avec ce nouveau contexte de démocratie. Et une fois, évidemment, cet aspect concrétisé, il faut par la suite faire un travail dans toute la région pour dire que ce qui s'est passé en Tunisie n'est pas propre de la Tunisie, c'est universel. Et c'est le combat, et là je vous parle en tant que militant des droits de l'homme, notre combat est un combat universel. Il ne s'arrête pas à des frontières. Quand on parle égalité homme-femme, ce n'est pas seulement pour les Tunisiens et les Tunisiennes, c'est également pour toute la région. Quand on parle liberté d'expression, également. Et c'est ça qu'on explique souvent dans les rencontres internationales, ce qui a été initié en Tunisie doit s'étendre à tous les pays de la région, et c'est à partir de là qu'on peut parler et aspirer à des ensembles homogènes. Aujourd'hui, on aspire tous à construire l'Union du Maghreb, mais regardez dans quel état on se trouve. Évidemment, notre aspiration, c'est que cette Union, ce Maghreb, se construisent également autour des valeurs universelles, qui sont le respect de l'autre, la tolérance, l'ouverture démocratique, les droits de la femme, qui sont pour moi indéniables et indiscutables. On ne peut pas être un démocrate et renier à la moitié de l'humanité des droits, qui sont inaliénables. Donc c'est toute une culture qu'il faut, par la suite, diffuser dans toute la région. Voilà. Merci, professeur. Oscar a demandé également à vous-même, selon votre vision, quel est l'état de la presse en Tunisie aujourd'hui? Alors là aussi, on retrouve cette contradiction. Nous avons des lois, et j'en parle en tant qu'ayant contribué à certaines d'entre elles, dans les décrets loi 115, 116, qui organisent le monde des médias, audiovisuel et presse écrite. Je considère dans l'ensemble que ces lois sont conformes aux standards démocratiques internationaux, mais encore une fois, c'est le problème de leur application.
comment les appliquer. Par exemple, quand on parle de régulation, aujourd'hui, du monde de l'audiovisuel, vous avez beaucoup d'acteurs qui confondent régulation avec réglementation, avec avant les prérogatives du ministère de l'Intérieur. Or, ce n'est pas là, ce n'est pas ça. Il y a toute une culture, malheureusement, qui n'a pas encore irrigué la société tunisienne. Et ce qui fait qu'en l'absence de ce travail de pédagogie, malheureusement, nous avons vu, ce que j'ai dit dans mon texte, des lobbies qui investissent ce monde des médias pour créer, par exemple, des stations de radio, des télévisions qui n'ont aucun caractère légal, et on ne fait rien pour les arrêter. Or, toute la question, il faudrait également que ces lois soient réellement appliquées pour tout le monde, sans exception. Et quand il y a des médias illégaux qui divisent, ben, je suis désolé, il faut les arrêter. Or, on a vu, les dernières élections l'ont montré, de 2019, et là je cite le rapport de l'instance de la régulation audiovisuelle, l'AICA, que beaucoup de médias se sont adonnés en toute impunité à de la propagande politique, ce qui est totalement contraire aux lois. Or, ce qui m'inquiète, je ne dirais pas les normes telles qu'elles ont été élaborées, elles sont pour moi conformes, mais leur dévoiement, on les a dévoyés de manière malheureusement à ne garder que les aspects négatifs. Et là, ça m'inquiète, parce qu'encore une fois, la démocratie, c'est le respect des lois, des institutions, et également le respect de l'État. Il y a un État, il faut le respecter tel quel, et on ne va pas à travers là contourner ou manipuler des lois, il faut les accepter et les appliquer telles qu'elles sont. Merci, professeur. Et Madame Orani, quel était le rôle des universités aujourd'hui en Tunisie et surtout sur les processus démocratiques? Ah, là, c'est une question peut-être à laquelle le professeur Chouira pourrait davantage répondre que moi-même. Mais bien sûr, il y a toute une volonté de développer le tissu universitaire en Tunisie. Moi-même, personnellement, je verrai il y a un programme de réforme en cours également du système universitaire. Je disais tout à l'heure que nous avions un jumelage européen avec le ministère de la recherche scientifique espagnol pour la réforme du système de recherche scientifique en Tunisie. Donc, nous avons entrepris cette transition-là aussi, parce que le système universitaire en Tunisie est différent de celui que l'on trouve en Europe. Les universités restent toujours sous tutelle du ministère de l'Enseignement. Elles ne sont pas totalement autonomes. Il y a peut-être un gros travail sur l'indépendance, un travail sur la recherche des financements, un travail sur le partenariat avec le secteur privé et avec le tissu social. Donc, bien sûr, la réforme est en cours, mais là, je pense que je laisserai plutôt la main au professeur Chouira à ce sujet. Oui, merci, Madame l'ambassadrice. Mais là, je pense que vous avez bien répondu. Nous sommes dans une phase de mutation. Il y a une volonté de vouloir donner plus d'autonomie aux universités. On le voit de plus en plus. Mais toute la question, c'est le rôle des universitaires. Est-ce qu'ils sont à même de vouloir s'investir dans cet état d'esprit? Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit dans mon texte, on ne peut pas gommer en quelques années tout un travail d'un demi-siècle d'autoritarisme. Ça va demander beaucoup de temps. Mais ce qu'il faut, une vision, un programme. Mais là, je sais qu'il y a certaines universités qui y travaillent à travers l'autonomie, en développant des partenariats avec des universités étrangères, en l'occurrence espagnoles. Également, il y a des programmes de recherche. Il y a aussi des initiatives individuelles que prennent certaines universitaires. Mais tout ça, malheureusement, n'est pas encore, comment dirais-je, organisé, dans la mesure où les textes juridiques doivent complètement changer de manière à donner plus de liberté aux universités de pouvoir se déployer. Voilà. Bon, nous sommes dans un processus démocratique et il faut des changements culturels, il faut des changements éducatifs et il faut des changements politiques. Quels sont les plus importants selon votre critère? Alors, je laisse Madame l'ambassadrice, si vous voulez répondre. La transition en Tunisie a démarré, comme vous l'avez si bien dit, professeur, sur les questions politiques, les droits, les libertés. Bien sûr, les premiers textes à être amendés, c'était la loi sur les associations, c'était la loi sur le code de la presse, comme vous venez de le dire.
Ensuite, il y a eu la petite constitution qui nous a fait fonctionner pendant 2 ou 3 années. Donc, réellement, sur la règle de la présence des droits et libertés individuelles au sens politique du terme. Mais c'est vrai que ce processus-là est en train peut-être aussi de s'essouffler parce qu'on n'est pas allé de pair avec les droits économiques et sociaux. Avec les droits à l'éducation, avec la réforme des différents grands systèmes qui ont fondé la République en Tunisie, qui ont fondé la Tunisie de l'indépendance. Bien sûr, nous avons parlé genre, mais il y a également les systèmes éducatifs, les systèmes économiques, il y a un modèle de vie économique et un modèle de développement économique qui peut-être eux-mêmes se sont essoufflés. Et donc, la conjonction des deux a fait que l'on a besoin aujourd'hui de travailler sur de nouvelles perspectives. L'avantage en Tunisie, c'est que nous parlons beaucoup. Donc, il y a un gros travail de débat interne à la société, à tous les niveaux. On le voit au Café du Coin, comme dans les sphères universitaires les plus techniques. Mais ce débat, bien sûr, bon, plus ça s'allonge et plus ça devient compliqué, plus on parle et plus on a des difficultés à prendre des décisions. Donc, maintenant, je pense que nous avons quand même bien avancé au niveau de la réflexion, de ce que nous voulons faire, ce que nous voulons être. Maintenant, je pense que nous sommes arrivés au moment où il faut, voilà, comme on dit souvent, malheureusement, se retrousser les manches, mettre en place les réformes, travailler sur la structuration. Moi, je crois personnellement beaucoup à la réforme du système éducatif, pas uniquement universitaire, mais éducatif d'une manière générale. On ne peut pas ancrer la démocratie, la société, l'égalité chez une personne qui a 25 ou 30 ans, il faut l'ancrer à 3 ans, il faut l'ancrer à 6 ans, au moment où on commence le processus de construction mentale. Oui. Alors, j'enchaîne, et je suis entièrement d'accord, mais dans le même sens que Madame l'ambassadrice. Je reviens à des discours de Bourguiba en 56-57, quand il a pris en main le pays. Pourtant, je le critiquais beaucoup à l'époque sur l'aspect autoritaire. Il disait une chose suivante. Je veux créer un homme nouveau. Et pour créer un homme nouveau, il n'y a pas de secteur prioritaire. Tous les secteurs doivent aller ensemble, c'est-à-dire l'éducation, le culturel, le religieux, tout ça. Or, aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin. Comment créer un citoyen démocratique qui croit à ses droits et qui respecte l'autre? Et là, il y a certes les lois, il y a certes le politique, mais également, et je rejoins Madame, le système éducatif dans son ensemble doit être complètement réformé. Vous avez des textes, par exemple, qui ne sont pas du tout en conformité avec l'esprit démocratique. Également, le culturel. Il faut investir, préparer, que ce soit des pièces de théâtre, des films, des expressions artistiques, de manière à préparer le terrain à l'acceptation de cette culture démocratique. Vous voyez ? Et aussi les médias. Je constate, par exemple, que les médias n'arrivent pas encore à vulgariser un certain nombre de principes juridiques qui sous-tendent ce processus politique. Donc, pour ma part, il n'y a pas de secteur prioritaire. Tous les secteurs doivent tous se conjuguer ensemble pour un objectif commun, comment créer le nouveau citoyen. Un citoyen imbu de ses droits et de ses devoirs et respectueux des lois et des institutions. Pour moi, c'est mon aspiration et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cet objectif. Merci. Une dernière question. Je suis désolé parce que on a 1h30 et il faut fermer la question. Mais la dernière question, comment la pandémie a-t-elle affecté les pays et quelle est la situation actuelle? Bon, je laisse Madame l'ambassadrice répondre et je pourrai prendre la parole par la suite. Je vous en prie. Oui, merci. Bon, bien sûr, comme tous les pays du monde, comme la globalité de la planète, la Tunisie a subi les aléas de cette pandémie. On avait bien géré au départ, mais au prix d'une fermeture économique avec une fermeture qui a créé voilà de graves dysfonctionnements économiques et sociaux. Aujourd'hui, on en paye encore le prix. Nous avons encore beaucoup de difficultés à rattraper cette phase de confinement global au début de la pandémie, donc comme en Espagne, donc les 3 premiers mois, mars, juin. Bien sûr, nous sommes en tant que membres du Conseil de sécurité, nous avons beaucoup travaillé sur l'impact de la pandémie et nous essayons d'avoir un rôle global un peu plus dans la solidarité, que ce soit des vaccinations, que de la recherche scientifique, que des cessez-le-feu. Enfin,
tout ce qui a un rapport avec la nécessité de prendre à bras le corps ce nouveau phénomène plutôt que de s'occuper de choses un peu moins graves. Aujourd'hui, nous sommes en troisième phase de la troisième vague de la pandémie. Nous avons, c'est vrai, quelques difficultés dans la gestion de la pandémie, mais bien sûr parce que, bon, en tant que pays à développement et à revenus moyens, intermédiaires, il est difficile de pouvoir s'approprier des stocks de vaccination. Nous avons commencé la campagne de vaccination au début du mois de mars. Nous avons entrepris de vacciner jusqu'à maintenant, je crois, environ 250 000 personnes. Mais généralement, on insiste pour que ce soit une double vaccination, donc pour éviter de se retrouver avec un vide, parce que nous n'avons pas de visibilité, de perspective concernant les stocks de vaccination, vu la pénurie mondiale d'un certain nombre de produits. Maintenant, l'objectif, c'est réellement de se remettre sur la sellette, rouvrir l'économie, rouvrir les secteurs économiques. Pour nous, le plus fondamental, c'est bien sûr ouvrir les secteurs à fort contenu monétariste, tels que le tourisme. Donc, nous suivons avec beaucoup d'attention les questions liées au green card, green passport, tout ce qu'il y a derrière tout ça, l'évolution des programmes de vaccination. Nous voulons nous positionner également sur la question vaccinale. Nous estimons que nous avons les compétences nécessaires pour créer, pour être partie de la recherche scientifique dans ce domaine. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là que je fixerai notre position en matière, dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Merci. Pour ma part, je rejoins à tout ce qu'a dit Madame l'ambassadrice. Évidemment, le gros défi qui se pose, d'ailleurs, nous sommes confinés depuis hier pour 15 jours, enfermés chez nous, on ne peut même plus quitter. Et là, je comprends face aux inquiétudes que pose cette pandémie. La seule solution, c'est la vaccination massive. Il faut qu'on arrive à nous procurer le maximum de vaccins et multiplier les centres de vaccination. Je pense que c'est la seule alternative aujourd'hui qui se pose au pays. Voilà. Merci de votre attention. Je crois qu'il y a une dernière question. Monsieur Daunis, peut-être vous voulez faire la dernière question. C'est le vice-recteur de qualité de l'université. Bienvenue. Docteur Darmis, non, non, c'est bon. D'accord. Il est 1h30 et malheureusement, nous devons finaliser notre intervention. Merci à tous et à toutes pour la votre assistance en cette première session de la semaine d'internationalisation. Comme je disais au principe, nous avons una setmana carregada de novetats i us convidem a participar-hi activament per anar coneixent aquest país que, com ha dit l'ambaixadora i com ha dit també el rector, un país al qual ens uneix doncs, la cultura, la llengua, la tradició i que mitjançant aquesta fórmula de la internacionalització a casa, de la setmana del país convidat, podem conèixer millor. Moltes gràcies. Merci beaucoup, madame l'ambassadeur. Merci, professeur, pour votre intervention et chez nous et chez vous. Merci. À très bientôt. Merci. Portez-vous bien. Merci à vous tous et j'espère à une autre occasion. Merci, au revoir. Merci beaucoup, professeur. Merci à tout le monde. À très bientôt.